Après avoir préparé vos ingrédients, pressez votre citron et confectionnez votre sirop. Jus de citron, sucre et eau. Portez-le à ébullition. Et réservez-le. Faites ramollir votre gélatine à l'eau froide. Lavez vos fraises et équeutez-les. Mixez vos fraises pour faire une pulpe fraîche. Préparez votre moule . Détaillez la génoise. N'hésitez pas à aller voir la technique de base pour la confection de la génoise. Détaillez les bandes nécessaires. Et pincez celle-ci. Sirop aromatisé avec un petit peu d'alcool de fraise. Chemisez le moule. Attention, votre génoise ne doit pas être trop pinchée, sinon elle aurait tendance à casser. Repinchez une dernière fois, afin que la génoise soit bien imbibée. Détaillez les fraises pour chemiser le dessus du moule. Celles-ci serviront au démoulage à présenter un joli décor. Le restant des fraises, détaillez-les en petits cubes. Réchauffez très légèrement votre sirop et mettez-y votre gélatine ramollie, légèrement pressée. Cette opération peut également se faire au micro-ondes. Vérifiez qu'il n'y ait pas de gélatine non fondue. Ensuite, mélangez le sirop avec votre pulpe de fruits. Vous avez monté votre crème chantilly. Ajoutez votre appareil. Avec le fouet, vous allez dans un premier temps lisser votre appareil. Ensuite, incorporez le restant de l'appareil délicatement avec votre spatule et finissez par relisser l'appareil avec un petit coup de fouet. Ensuite, montez votre entremets, de la mousse, quelques morceaux de fraises et alternez les couches
jusqu'à obtenir quelque chose de très régulier. Avec la spatule, lissez le dessus. Quelques petits coups sur le récipient afin de retirer les bulles d'air. Et pendant ce temps, préparez votre miroir. Un peu de sirop, de la gélatine et un petit peu d'alcool ou de liqueur de fraise. Préparez les éléments de décor. Appliquez votre miroir. Sur un gâteau très froid, il prendra rapidement. Remettez-le quelques minutes en cellule de refroidissement avant de finir le décor. Il ne vous restera plus qu'à démouler et à servir votre entremets. Bon appétit !